Hello tout le monde. Moi ça va. J'ai manqué l'enquête de Sherlock Holmes. On avait bien avancé, c'était assez rapide pour celui-ci. Alors... C'est pas mal. Bon, cette enquête-là est plus sympathique. Et en fait, on tournait en rond, il y avait trop de possibilités alors que là. On avait posé des questions à toute la bande. Il y en avait un qui était un peu bizarre. Ouais. On va dire qu'on va essayer de trouver qui a tué monsieur. Au début, je pensais que c'était avec un truc, un pic à glace. En glaçon, étant donné qu'il y a beaucoup d'eau, un peu en classique, on va dire, de ça. Soit c'est l'arme du crime qui a volé, qui est tombée dans le four. Et donc, hop, vraiment un peu ce qu'on a. Trouver l'arme du crime, oui. Bon, j'ai posé beaucoup de questions. On va aller par là. C'est parti. Hop, on va voir si on a des trucs. Ah ouais, on a quand même pas mal de choses. Mensonge, j'avais menti tout sur son travail. Il opérait seul et en secret. Traitement de garrot. Traitement de garrot, lunettes cassées. Ah non. Alors, il y a quand même pas mal de choses. Alors, dans le brasier, trouver de l'argent. Non. Appelé étrange et centré équidame. Ah. Non. Moi, je pense que c'est ça. Ok, bon, on va avancer, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Mr. Holmes? All these events are bad for the baths. Bon, alors attendez, on a d'autres trucs. Note volée, en quoi ces notes, sœur, s'apprêtait à faire une découverte remarquable. Arrivé à prendre mes champagnes. Alors, plaie étrange, la plaie étrange à une lame incurvée. Il est où le brassero? Dans le brassero. Pour moi, c'était plutôt arrivé. C'est vrai, oui. Champagne. Il y avait une bouteille de champagne et un seau d'eau dans les filets. Nous ne savons pas encore qui l'a apporté. Combat. Traitement de garrot. Note volée. En croire ces notes, sœur s'apprêtait à faire une quoi. Peut-être c'était ça pour le champagne. Non, le champagne, je pense que c'est l'arme du crime. Lunettes cassées. Un objet d'argent a été fondu à ce moment dans la politique de l'arme du crime. Ok. On peut en faire d'autres ou pas? Mensonge de Sir Rodney. Sir Rodney avait menti. Ah, deux mensonges, ça fait une idée. Pourquoi ça aurait-il caché quelque chose? C'est découvert, c'est une multicrime. Ah. Découvert, c'est quelques jours avant ça. Enquêté sur dernière expédition de Rodney. Ouais, ça. Allure. These baths are becoming sinister. Ah, d'accord, il faut que...
Une carte maléfique trouve à localiser. À localiser. Et comment tu fais pour localiser sur une carte? Bonne question. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Combat Pitkin. Sieur voulait envoyer Blikin, va arrêter les fouilles romaines et ouvrir les lieux publics. Combat. Arriver à point nommé. L'arrivée de Sarenet a été a certes sauvé le travail de Blikin, mais elle aurait lui coûté son adresse, sa fierté. Arrivé là, c'est-à-dire reconnaissant et heureux de cette collaboration, que pouvait-on lui apporter? On va lui repartir par là. Ouais, il y a tellement de possibilités. Moi, je vais prendre sa collaboration. Alors, on va partir dans le bon sens. On va être copains. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres potentiellement? Non, on dirait que c'est fini. Alors, dernière expédition. Comment on peut faire pour... Watson. What should we do next, Holmes? Ouais. Pas très collaboratif. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's. Bon. Ah, non, c'est la sortie. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est rien. Bon alors, essayons de voir un peu. Ah, faut aller à Baker Street. Ok, il est indiqué sur la carte de Baker Street. Ok, allons-y, allons à Baker Street. Rentrons à la maison. Allons voir ce qu'il y a. Au moment, on a quand même quelques idées, c'est déjà pas mal. Ah, en fait, dans les mains, on tient le carnet dans lequel on est. D'accord, ça va longtemps. Clairement, Holmes a une grande mémoire, il a pas besoin de notes. Donc, il y a dans les bouquins. Alors, la carte, elle est là. Now we have two maps. We must combine them properly. D'accord. Un embranchement. Ça me paraît pas. Ah, là. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. D'accord. Saint Albans. C'est parti. Oh, il y a des travaux au-dessus, c'est chiant. Allez, on... Ok, inspecter le site de fouille. Qu'est-ce qu'il raconte? This archaeological site has been abandoned. Ouais, alors... On dirait un film, un vieux film qu'on a encore regardé. Parfois le truc il rame. Hein. Alors, regarde ça sur la table. Qu'est-ce que nous avons? This is the map of the site.
We are at the heart of an old Roman city. Mm-hmm. Attends, ouais. Une autre, ceux qui se croyaient victimes du mauvais œil faisaient fondre leurs objets de valeur, les tribus se venaient brûler des fruits des riches familles romaines et l'argent. Ouais, ça. Alors, potentiellement, c'est le mec un peu foufou qui a. Cupette. Le couteau mien est. Sacrifice de taureau est une lame rituelle d'origine perse, incurvée de 5 à 15 degrés. Le nom provient du perse, c'est-à-dire hein, cette famille d'armes. Hein, comprend Simpson, Sinter, Talbot, qui ça va, ouais. C'est un grain poignard d'or dont parlent les mythes et mystères avec une malédiction infâme qui fera couler le sang du milieu. Donc ça devrait être l'arme du crime, a priori. Oh, mystère bon, ça fait quand même beaucoup de lecture après. Bon, ça prend tout le sens de enquête, mais bon. Ok, alors avançons un peu et voir si on a des trucs par ici. En tout cas, le poignard ressemble au poignard que l'autre, l'un des suspects a vu voler. Ah bah ouais, je me disais que ça devrait être ce film. Ah tiens. Vulcan, the god of fire and metalworking. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Est-ce que j'ai ici trouvé un livre sur Mister? Il a demandé un livre sur Mister, ouais. Et l'autre c'est... Ah, les cubes. Ça doit être des cubes métalliques en argent qui ont du fond. Bon, je vois rien d'autre qui puisse être assez intéressant. Et Watson qui m'a abandonné, j'ai l'impression. Watson, vous descendez pas, mon cher ami? Bon. D'accord, alors allons par là-bas. I don't need the ropes for now. Pas besoin de cette corde pour l'instant. Tiens donc. Appuie ici. Tiens donc. Des outils pour creuser. Excavating tools, a bucket, shovel and brush. Ouais, ça vient de très palpitant quoi. Ok, ok, j'ai une corde potentiellement très important à savoir quoi. Ah.
par ici. Non. I don't need the ropes. En gros, faut que je sache pourquoi j'ai besoin d'une corde avant de pouvoir l'utiliser. Bon, d'accord. Ah. T'as vu un truc qui brille? Non. Ok. Putain, les fouilles sont énormes. La map devient vraiment, grande. Du coup. Ah, si, j'ai vu un truc là-bas. Ah ah! On va y aller. Voilà. It is a statue of Minerva. Neptune, the god of the sea. Ouais, d'accord. Bon, on a quelques... Construction hooks. Des crochets de construction, d'accord. Bon, pas grand chose de plus, j'ai l'impression. Ah, là on a une vache. It is a broken statue of a bull. Un taureau. Ouais. Alors, pareil, on va prendre. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. Ça, c'est intéressant. Une corde et un crochet. C'est exactement ce qu'il me faut. Bon. Une carte. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This. À part il est monté à utiliser, ouais, mais. ok. J'ai beaucoup de documents à lire, si tu veux être honnête. Il y a Henri quand j'ai pris dans la classe, les notes de nous. Attends. Ah ben toi, vous vous prenez pour déménager. Bien Henri quand vous avez pris dans la glace les notes de Miss Solar, que la manœuvre de thèse approche de tout ce que tu es de tout, voilà tout le cerveau de votre improbable duo. Je dois t'interdire de toucher à ma maquette de gastropède. Oh. Alors je pense plutôt qu'il faut que je fasse un coup de ça. Alors, à point traitement, plaie, tranche, champagne, dent de bras zéro, plainte, note volée. La corde et l'arbalète, c'est pas intéressant à... Ah ouais, qu'est-il le truc que je connais ? This railway is used to remove rubble from the site. Il y avait un coin où il y avait des trucs à voir. Ah, le voilà. Ah, voyons voir. J'ai cru qu'il y avait un crâne. Non, rien. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Mini-jeu, comme on dit.
Il n'y a pas beaucoup à réfléchir, hein, c'est juste. Ah, tu terres, on dirait. I can see now. Ce sont des ternes. Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Ok. Ça c'est bien beau, mais moi j'aimerais bien utiliser la balette là pour faire le test. L'arbalète. Sœur Grégory se plaignait l'influence que ça avait. Non. Pinkins n'a encore envie de n'a aucune envie de devoir repousser la voiture publique de tête revêt à cause de Sœur Rodney, d'où sa mauvaise humeur. Une... Satan a baissé des raies. Bon, on va voir ceci. Inquiétude, ouais. Est-ce que c'est ça? Pas qu'on puisse en refaire. Ah. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Ah ouais, schéma. The gastrophètes were used with ropes and hooks for sieges. Je pense que le truc qui est en face, c'est bien lui. C'est un. This is a reaper. À utiliser Saint-Albin, un brut une statue. Saint-Albin, un brut une statue de Neptune, dieu de la mer. À utiliser. À utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire à utiliser? Ok, bon ben, pour le moment, je sais pas. On reviendra sûrement plus tard. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. À explorer le Frigidium. Allons-y. Terme. Parce que là, le gros bâtiment qui était dans l'eau, je pense que c'est un truc où on pouvait faire l'arbalète avec la corde que nous avons trouvée. Et ça a démontré, j'en sais rien. Mais on verra. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. All these events are bad for the baths and my job. Bien. Ah. Ouvrable. Oh, j'ai oublié quelque chose. Ou est-ce qu'il y aurait-il un truc de plus?
Non, non, non. D'après le jeu, les commandes du jeu, il est possible. Ah ouais, ils ont même réparé le truc. C'est pas genre. Ah non, il est là. Bon, ouais, je vois pas comment il aurait pu avoir autant de avant. Moi, ouais, rien de très palpitant, quoi. Voilà, il est terne. Alors. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Tiens donc. Putain, je suis tombé par hasard sur le truc en marchant. Tiens voilà, caducé. Trident. Ah. C'est pas le bon dans le bon sens. Parce que les autres sont verts donc je peux. Voilà, donc ça veut dire que c'est dans le bon état. Ouais, il n'y a pas en fait. Il en a manqué un. Soit c'est l'ordre qui doit dépendre, soit là, il n'y en a pas un autre. Araignée. Si c'est vert, c'est que c'est bon. Là, il y a un casque. Ah. Bon, alors le casque, il le faut pas. En ordre, alors. Navire. Ok. Cyclope. Intéressant. Couronne. Scorpion, c'est bon. En fait, je vois pas où ce qu'il faudrait regarder. Bon. Ça s'appuie, ça. Je sais pas c'est quoi le mystère que cachent tous ces boutons, mais. J'ai l'impression que c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est même peut-être pas l'ordre du truc. Donc j'ai un cyclope. J'ai un cyclope, un trident. Bon, essayer de tous les mettre. De toute façon, j'ai que 3 tridents, cyclope, scorpion, trident, cyclope, 4 trident, cyclope, 4. Donc des combinaisons à 3 à 3 chiffres, à 3 à 3 trucs, on peut pas. Ouais, alors. Bon, est-ce qu'on peut pas aller au centre, je suppose? Bon. Bon, d'accord, alors.
Ouais, mais comment tu veux à utiliser? Bon, ouais, peut-être aller analyser un livre de mystère. D'accord. En tout cas, je vois pas d'autres trucs. Donc, on a appuyé sur les trois cyclopes, casque et dents. On va remonter dedans. Ok, on va remonter. On va remonter casque. Il manquait pas une place pour un. Des statues là, il faudrait peut-être les remettre à leur place. Utiliser, à les remettre à leur place, je pense. Ça doit être ça le à utiliser. En gros, là où il n'y a pas de statue, il faut les déplacer. Ah, bon, ok. Bon, voilà. Retournons à Baker Street d'abord, faire des examens sur ces pierres parce que c'est les cas cubes. Ça me donne du fil à retordre, j'adore ça, mais j'aime pas quand ça prend trop de temps non plus. Je pense que l'arbalète, la ficelle, c'est pour essayer d'apprendre le truc qu'il n'y a pas. Et là, les statues, il faut les soit les placer ici, soit les placer de l'autre côté. Bon, je suis bloqué. Allons voir ça. Bonjour le chien. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Allez, on va faire un peu de combiner les cubes. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. I will count this piece as a starting point. I will count. Ok. Maintenir et là. Attends. Maintenir et là par rotation verticale. Relâcher par rotation horizontale. Ah, ok. Attends. Ah d'accord, j'ai compris. Alors non, on va prendre ça. Ça me paraît déjà un peu mieux. Alors attends, celui-ci n'est pas le bon. Et celui-ci non plus. Alors ça serait dans ce cas-là, lui et lui. Ah, et lui, c'est pas le bon. Ah, on peut les tourner en plus. Ah merde, je savais pas. Autant pour moi. Et celui qui est là-bas. Voilà. Simplement, il suffit de le tourner. Non. On n'a pas compris. Je me remets comme c'était avant. Voilà. Comme ça, ça fait le cube du dessus qui est bien. Ok. Maintenant en bas j'ai juste des fentes vers le haut, donc ça fait que ça, ça me paraît être bon. Ça, ça, ça me paraît être faux. Lui, alors lui je dirais qu'il faudrait le mettre là. Après lui potentiellement mettre là. Comme ça. Je pense que lui il a pas de pied, donc lui doit se mettre là.
Donc lui, là, il est en bas. Attends, ça, je pense que c'est de là, doit se faire changer. Ah, lui, il faut le tourner. Je réfléchis. Est-ce que le bas s'emboîte bien? Oui, il s'emboîte. Il s'emboîte. Et il s'emboîte. Deuxième étage, donc il me reste plus que l'étage du dessus. C'est cool, non? I will count this piece. Je prendrai cette pièce comme point de départ. Et donc, ça me paraît bon, non? Alors après, celle-ci, elle est peut-être pas dans le bon sens. Et ça fait que je suis dans le dessous non plus. De fait, donc celui du dessus c'est normal qu'il s'emboîte pas. Alors, là il faudrait juste le tourner comme ça. Oups, non, on va comme c'était. Voilà, donc si celui du dessus ne s'emboîte pas, c'est que c'est peut-être pas le bon. Si on tourne ça, lui, avec lui, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Ensuite, lui, on le retourne comme ça. Alors, aussi, on peut intervertir ces deux-là, qui me paraissaient les mêmes, mais bon, admettons, on le tourne dans ce sens-là. Merde. Ça c'est chiant parce qu'à chaque fois j'ai un peu. Et lui on le tourne comme ça. Voilà. Lui on le tourne comme ça. Voilà. Lui on le tourne comme ça. Il reste plus que les deux dans le dessous. Il doit être interverti, je suppose. On les tourne dans le bon sens. Et voilà. It is a mold, and it is ready for casting. J'aime bien moule. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Okay. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet, half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Un demi-verre d'eau. Now let us see what we have here. Voilà. Ça, c'est super rapide ton moule. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Bon. Bon, on a trouvé l'arme du crime. Bah, en tout cas, d'après ce qu'il dit, c'est peut-être pas ça. Hein. My archive. I can... Trouver l'assassin. Bon, bah, génial, merci. Hein. Alors, regardons ce que nous avons. Donc, il faut que Jobin a demandé un livre sur les mystères de Mitra et. Voilà. Ok, bon, alors essayons donc de.
Allons à Scotland Yard. Bon, on a quand même trouvé le poignard. C'est-à-dire, on a trouvé un poignard qui aurait pu être modelé, donc moi je l'ai fait en plâtre. A créé l'arme du crime. Arme d'argent. Déterminer si nous pouvons créer un couteau d'argent avec le matériau trouvé. Avec les matériaux trouvés? Est-ce que je peux faire d'autres trucs? Alors, créer un couteau d'argent. Créer un couteau d'argent. Mr. Holmes. Est-ce qu'il y a un truc en plus à voir? L'armurerie. Non. Ah, ok, on va Please. pas. On va poser des questions. Mithra. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Okay. Please ask. Oh non, un autre personnage. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. Mm-hmm. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one, and yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Le poignard d'or. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary, and we had hoped that... Oh, it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Et le dernier. Please escort this suspect for it. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse. Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Bien, bon, on a parlé à tous nos personnages. On les a cliqués sur l'intra. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut aller voir sur le corps? Non. Putain, le corps il est là. On perd 3 plombes à aller chercher des trucs. D'accord. Bon, allons voir un peu ce qu'on a ici. Donc, essayer d'utiliser le moule pour créer une reproduction en argent du poignard. Donc, je retourne chez moi quoi. Ok, bon, bah, retournons à Baker Street. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Comportement de garrot, traitement de garrot. Ouais.
Garo est torturé par son option pour la malédiction, il est devenu fou, ce que son traitement n'a fait que se figurer et sujet à la maquinerie, il est victime d'une surdose de son traitement curieux. Moi je pense que c'est ça, surdosage. Dans le cas où j'aurais choisi l'autre, ça aurait été fait quoi? Folie, inquiétude. Ah. Pinky n'a pas un... Pinky. Non, je pense plutôt que c'est de l'inquiétude et c'est pas de la folie. Et voilà. On verra ce que ça donnera. Putain, il y a tellement de possibilités dans le jeu, c'est que. Quelqu'un a amené la bouteille de champagne, on sait pas qui pour le moment. Alors essayons de voir si nous pouvons reproduire un couteau en argent. Avec les Let mêmes us try to create an object from silver by using the mold. Ok, on prend, on met dans le seau, It on will take a allume minute ça. To melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. C'est parti, on prend et on met dedans. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Oh? Quoi? Done. Now I can proceed further. Ok. Alors déjà, on va couper le. On va couper le feu, non? Bon d'accord, regardons directement le résultat. Pile poil la bonne taille. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Maintenant, je pense qu'il faut reproduire la scène dans les termes. Alors, c'était ça que je pense. Trouille qui a tué, explosé. Alors. Toby. Alors, créer une arme, ça c'est bon. Est-ce que je peux. Couteau d'argent dans le bras zéro. Je pense qu'il faudra faire une petite expérience pour valider ça. L'assassin peut utiliser une arme en argent et a fait fondre dans le bras zéro. C'est ça. Est-ce qu'il. Non, on ne peut rien faire de plus. Alors. Est-ce qu'on retourne au sénateur. Je veux dire au sénateur. Tiens donc. En cœur. Ah. Ah. Les deux lettres que nul n'échappe à ce qu'on se dit. L'horrible meurtre avec ses putains putain a été résolu. Ça c'est tout, c'est les deux crimes qu'on a déjà fait résolu. On a des lettres. Ouais, c'est son courrier. Ok, bon bah allons au terme de Strand Lane. T'es avec moi? C'est vrai que j'ai pas bien un poignard ici. Est-ce que je peux faire quelque chose? Alors imaginons. La présence d'eau est due à la vapeur. Ça m'étonnerait, mais bon. Arme, couteau d'argent, l'assassin a dissimulé l'arme dans le cylindre envoyé par vapeur. Après son crime, il a placé le couteau dans le bain pour détruire. Ouais, ça serait. Toi, tu pas électrique. Folie. Collaboration, humiliation. Humiliation ne va pas avec ça. Mais... Intéressant. Ouais. On va voir. C'est vrai que c'est chaud parfois à trouver le bon truc. En tout cas, il y a tellement de possibilités. Je l'ai vu avec le précédent qu'il y a deux fins possibles dans le cas où. Deux fins possibles selon les cas. Alors. Ici, hop, on prend le truc. Allons-y. On active ça. Donc, voilà. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ah, il me manque une pièce du puzzle, il faut que je sache qui c'est vraiment.
Ok. Bon, alors on peut retourner dans l'autre pièce. These baths are becoming sinister. Frigidarium. Bon. Un indice plus compliqué à comprendre. Je sais pas, c'est vrai que c'est pas facile à savoir où chercher. Alors, explorer le frigidarium, c'est Rodney a laissé des pistes qui désignent cet endroit. Ouais, alors en termes de piéger, abrite une statue de Neptune, dieu de la mer. Il y a la statue de Minerve, la déesse de la guerre. Dans le cas, et Cyclope. Donc là, on a les 4 éléments qui ne sont pas ici. Donc ça peut être intéressant, je pense que c'est pour ça que les pierres, il faut que je ramène d'abord. Je pense qu'il faut ramener là les pièces. Là. Il va y avoir un autre truc à voir que j'ai pas eu le temps. Un peu en perdu là. On va trouver. Attends, j'ai réussi à trouver les deux autres enquêtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est la lumière. D'accord. Bon. Donc on a trois. En fait, on peut y appuyer que s'il y a de la du poids dessus. Je pense qu'il faut que je retourne dans le hop. Merde, c'est pas ça que je voulais. À utiliser, il y a écrit à utiliser et je pense que c'est ça. Il faut que je retourne à Saint-Albans, je pense. Je pense pas que c'est torturé. Je pense que c'est ça. Collaboration. On va faire comme ça. Bon. C'est que quand je suis dans cet état là, je ne peux pas voir les trucs. Ah, là, le gros bâtiment, là, le truc qui est en face.
sûr que... Là, l'arbalète, bah, de toute façon, je peux l'utiliser, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi le trigger, c'est quoi le... l'élément déclencheur qui fait que on peut utiliser ce... Frigidarium. These are the city's Roman baths. What might be hidden there? Ah, le truc, les statues sont là. Donc, alors, je sais pas, je n'en sais rien. Alors, comment veux-tu utiliser ça? Trouver quel découvrage important ça va dire ce à faire. Explorer les Frigidaires, c'est Rodney B. Trouver, oui. Vapeur. Bon, ça c'est bon, ça c'est le bon truc, mais il reste notes volées et champagne. Si j'avais tous les indices, ça serait plus simple, mais je les ai pas. Construction hooks. Tombe d'Arès. Mais voilà, il y a tout, il y a le crochet, il y a la corde, il y a l'arbalète. À tout ce qu'il faut pour créer une arbalète, quoi. J'en suis persuadé qu'il faut la construire, mais j'arrive pas à faire en sorte que j'arrive à avoir cette tâche dans mon inventaire. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Ouais, jusque là ça a rien. Alors descendons encore une fois. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai qui m'a échappé en bas en plus. Bon, d'accord, alors essayons de voir un peu ce que nous avons dans nos pages. Ça, c'est nos conversations.
plaque de métal sont... La plaque de métal. La plaque de métal, c'est vrai que j'ai une plaque de métal. Qui est trouée? On a une clé. On a son anneau, bon, et on a une plaque de métal perforée. Argent fondu. Mister Mitrek, en 7 grades composés de repas rituels, les initiés se retrouvent dans les temples souterrains appelés Mitreae, de bon. Couteau. Temple caché de Mitra, les Mitreae pratiquaient leur culte dans le secret. Temple dominé. Cette entrée qui s'ouvrait à l'aide d'un mécanisme ingénieux composé de pierres et de cordes n'aurait peut-être jamais été découverte si les infiltrations n'avaient pas détruit ce mécanisme. Ok, bon. Bon, alors retournons au terme. Bon, j'ai à peu près compris qu'il faut faire une arbalète pour une raison quelconque. J'ai compris qu'il y a un mécanisme ingénieux derrière le temple qui est dans le sénatorium, dans les termes. Seulement ce mécanisme, il me reste que 3 boutons, donc en fait il me reste 6 possibilités. J'ai 6 possibilités de boutons, on peut tous les faire hein, sur le coup. Ou peut-être il y a un autre bouton à part qu'il faut appuyer en plus. Ça. Alors, parlons à lui. Ok, alors. Est-ce que j'aurais oublié des trucs dans cette salle? Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Non. Rien qui puisse. Ça j'ai fait. Ça aussi. C'est vrai qu'il y avait la grosse plaque, mais je pense que la grosse plaque sert dans le. Bon, et c'est là que tout le mystère prend. Il y a dans cet endroit quelque chose. Une statue romaine. Alors, attends. Cette plaque est trop claire. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui doit se cacher derrière ce truc. Une vision de d'un la vision quand j'entre depuis le enquête est plus dure que l'ancienne, on dirait encore. Il n'y a pas des portes cachées, une porte par ici. Talent de vision.
Non, je regarde qu'il y a aussi un truc qui m'a échappé. Non. Ça, c'est pas aussi. Bon, bah, on va essayer de faire tout ce qui est convivant. Pour moi, en fait, ces statues doivent être mises là. Là. Attends. Alors, Qu'est-ce qu'on va laisser ici? La vie. En gros, ne pousser que ce qui est utile en fait. Cyclope. On garde poussé. Coral. Scorpion. Poussé que le clé du C. Dans donc là j'ai bien ou sinon faut pas faut pousser ce où il n'y a rien dans où il y a où les il y a une statue là j'en ai ça. Là j'en ai pas. Là bah. Avec moi là j'ai une statue de couronne. Alors on va essayer de voir. Une couronne. La vire il n'est pas poussé. Il est poussé, il y a quelqu'un dessus. Là il y a personne, là il y a personne, et là... Là il y a personne, là il y a quelqu'un. Ah non, je vois pas du tout. Comment tu veux utiliser des statues? Je comprends pas. Ah, il doit y avoir un truc, un mécanisme qui me dépasse. Ça va être vraiment perdu. Celui-ci, je comprends pas en fait. Lui, il correspond à rien, cette place du ciel. Ah, les énigmes, comment faire? Qu'est-ce qui fait que c'est... Je suis sûr que les statues, il faut les amener là. Le scorpion, mais ça change rien. Alors soit il y a un truc dans les notes que j'ai pas vu. Plutôt malédiction du temps, lettre, rapport, dernière note de Sir Rodney. Aujourd'hui j'ai failli trouver, ce sera une date à marquer dans une petite de... Ouais, bon d'accord. Brouillon de sœur. Alors, où de son intérêt? Oui, bon ça d'accord. Et le brouillon, je souhaite organiser une conférence. Ok. Ouais, ça j'ai lu.
avoir un truc avec ça. Mais lui c'est pas Cyclope, c'est ça le problème. Est-ce que si je fais ça ici... Quoi ça? Attends. A hidden symbol. Ah bah voilà. J'ai l'œil moi, il y a un symbole ici, donc sûrement il doit y en avoir dans les deux autres. Il y a un genre de 5, alors il y aura le 4. Ah. Ok, on a... Putain, waouh, et le temps que je trouve, hein. De toute façon, quand c'est pas vert, c'est que c'est pas fini. Ouais. Ça, faut toujours se mettre ça dans la tête. Merde. Il y a le symbole. A symbol. Ok. Donc voilà, j'ai analysé. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. C'est parti. Wow. Associer les éléments. Ah, d'accord. Figure précédente. The signs are pointing to this bust. Putain, au bout d'une heure et demie, celle-ci. Alors, c'est ce buste qui. Ah, je t'ai dit, il était bizarre ce buste. Wouah, enquête. Et. Merde. Ça a ouvert un truc quelque part, mais pas là. Ça, où est-ce qu'il m'a ouvert le passage? Ah, il est là. Bon, corde, c'est parti. Vous avez raté une phase importante du dialogue? Bon, ça me rassure. Je pensais vraiment qu'en... L'icône déduction, que vous pouvez formuler une déduction. What is this place? I am unsure, Watson. But everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. D'accord. Il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'on a? Une lampe. Pour bien apprendre. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. Ok, une plaque. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? Je sais pas. On verra. Ok, donc, et le sel, c'est pour faire de la glace, hein. Pour faire de la glace, il faut du sel et de l'eau, hein. Pas grand chose de plus. Alors, on va voir un peu si j'ai raté rien. On a des. Waouh, on a des fraises. Ah, putain. Juste un moment. Ah, bah là. Une fresque. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. Donc le taureau qu'on a vu dans l'hôtel. Watson, vous venez pas? Oh, tant pis pour vous, Watson. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Intéressant. 7 grades d'initiation du Pic Mitra. This fresco. Ah, les deux sont la même chose. Ok. Avançons. Wow. Deux têtes de mort. Une momie, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est ça?
Venez. The pillar collapsed a long time ago. Okay. Wow, momie. Mummified bodies. We're in some. Dans des catacombes. Alors attends. Parce que là, je vois à chaque fois quelque chose, mais je ne vois pas comment tu veux le récupérer. Ah. The fire casts a shadow upon the floor. D'accord. Donc voilà, donc ça nous fait ombre sale, donc ça nous fait. That is the symbol of Neb. It resembles a bull. Taureau. It is very similar to the face of Mithras. Bon, il en manque un. Ouais, il manquerait une tête. Mais la dernière est ombre à utiliser, oui. Et lui il est cassé, donc comment tu veux faire pour... Ouais, mais il en manque un, donc il n'y a pas vraiment moyen de le récupérer. Comment peut-on faire? Parce que c'est lui qui devait... The pillar collapsed a long time ago. D'accord, bon alors on va... Ah, j'ai trouvé. C'est le truc qu'on a vu tout à l'heure. C'est la plaque métallique. C'est ça. C'est la plaque métallique. Et attends, et comment je fais pour la mettre? Ah. C'est la plaque métallique. Une plaque métallique perforée. Mais c'est elle. Ouais, mais je vois pas comment tu veux la mettre. Comment tu veux faire pour la placer. Bon, on va essayer de voir plus loin. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Non, on vient de là-bas. Parce que là, c'est la plaque métallique qu'il faut mettre. C'est certain. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. We cannot go any further. Ah, tiens, voilà. Plaque perforée. Bah, qu'est-ce que je disais? C'est la plaque perforée qui se met là. Donc là, on va essayer de visualiser la chose, donc ça fait ça. Mon imagination est magnifique, hein. This shadow seems to represent a bridge. The donc, shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the après, bull, and the bridge. Donc là, c'est... Voilà, donc là, on retourne d'abord à Scotland Yard. Je pense qu'on va pas tarder à faire une petite pause. On va à Baker Street, je veux dire. Analyser le truc, après on va sur une mine faire notre arbalète et on jette le truc. Je pense que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a des nouvelles idées? Ah. Il y a des idées qui ont disparu. Ah donc. Pour le moment je sais pas qui a tué. Hein. Allez. Une petite analyse là de notre hop. Hop. Allez. Hop. Ça me paraît être ça, 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 ça va là. Là, hop, on descend. Comme toujours, hein, faut faire le contour. Très bien.
ça a priorité à peu près à ce niveau-là. Non. Ça, ça va par là. Hop. Ça, ça me paraît être là. Voilà. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Dernier morceau. Voilà. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? C'est parti. Donc ça doit être la PX qui nous manque. Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Ok. Bon, la photographie ne se développe pas de cette manière-là, mais c'est pas... En tout cas, pas réactif, surtout quand c'est du noir et blanc, mais après... Alors on a du texte en haut... Hop, hop, et là on a un autre personnage... Pyramide... Salt. Du sel. Ice. En gros, ils ont fait de la glace. Another archaeologist, most probably. The pyramids of Giza in Egypt. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. Je vous ai dit, c'est le sel. Ice cream. En gros, ils ont fait de la glace. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Okay. Donc, fouiller les tunnels, trouver l'entrée du temple. Alors, c'est parti, on va au Saint Albans. On va voir. Il s'est tué tout seul en fait. Ice creams. Alors on y va. Donc là. Ah, il a du mal à courir mon cher Holmes. Slash qui te prend. Donc là. J'ai pas activé cette fonction. Voilà la corde. Ah bah voilà, je me disais qu'on pouvait faire des trucs. Alors, une corde, après on avait notre crochet qui était là-bas. Qui était ici, voilà. Après... Hop. Tac. Et this is a rip. À utiliser, oui, mais est-ce que j'ai tous les ingrédients pour. Le taureau. Décrocher une corde. Alors après, est-ce que je dois retourner au terme de Tandhar pour encore voir quelque chose? Parce que j'ai pris une corde, j'ai pris les crochets, j'ai pris tout ce qu'il faut pour. Ah non, j'ai rien pour le moment. Bon, on va se faire encore une petite vingtaine de minutes de jeu. Et on fera une pause pour déjeuner. Mais on a bien avancé. J'aime bien cette enquête. Elle me paraît plus sympathique que l'autre. Même si j'ai galéré à comprendre comment on fait cette putain de statue. Ah, la loi.
These baths are becoming sinister. Allons-y, c'est par là. Tic, tic, tic. Alors, on va essayer de voir si on trouve pas autre chose. La glace, tout ça. Par là. On descend. Vous avez raté une phase importante? Non, j'ai pas raté une phase importante. J'ai toutes les clés en main, presque. Allez. Donc, on a pris du sucre. Du sel à un seau. A sack of crude salt. Quoi? Il manquait plus que le sel? Non. C'est une blague. Trouver l'entrée du temple caché dans le site de feu. La fraise doit être importante s'ils l'ont mis deux fois. Ça, c'est bon. Donc, ah, attends, là il y a quoi? How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. Oh, donc. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye, he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Oh, okay. Espérons que ce soir ne nous attend pas non plus. Hein? C'est pour dire, mais bon. Bon, jusque-là, on était plutôt bon. Donc, il faut retourner à Saint-Albans. Question. Ah, voilà. Négatif. C'est la glace. Quelqu'un tentait de reproduire de la glace sans la méthode romaine. Arme moulée. Déterminer si possible de créer un couteau de glace avec les matériaux trouvés. D'accord. Note volée, champagne. D'accord. Bon, là, on a fait un bon parcours. S'il est possible de reproduire un truc de glace. Ça peut être à partir de la méthode romaine. Ok. Ah bah voilà, le pic à glace. Ah, vous voyez que c'est pas aussi con que ça qu'il n'y paraît. Bon, alors est-ce qu'il faut que je. Faut que je retourne chez moi? C'est chiant ça à chaque fois de bouger. Bah, en fait, j'essaie de résoudre deux trucs, je pense. L'un c'est ça. Là, il n'y a pas grand chose. The cycle. Ah merde, je vais faire à chaque fois. Pas le bon bouton à chaque fois. Alors, j'ai un crochet, j'ai une corde. Qu'est-ce qui manque? J'ai une Neptune. Appareil démonté, ouais. Le schéma. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est une corde? Ouais. Alors ça, il manque encore un truc plus tard. Alors est-ce qu'il y a des trucs ici que je peux faire?
Un négatif adoré sur la plaque de verre cassée puis réparée. Et là, j'ai une machine à glace de briques et de blocs très étonnants. Ouais. Retourner donc vous voyez là on peut faire avancer quelque chose le temps 2 et on va s'arrêter là pour le moment je pense. On va essayer de reproduire le bloc de glace. Bien. Le poignard en glace. Allez vas-y. Ça c'est long, je pense en vrai. T'as le décor dehors. Baker Street, nous y sommes. Allons-y, allons faire notre petite analyse. Moule. If I wish to shape the ice knife, then I... On doit verser de l'eau. D'accord, voilà de l'eau. Ah, ensuite. Ice, salt, and then the mixing. It should be able... Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. I think that ice should be added first. A block of ice. I have only. Holmes, look. The temperature is reducing. Ice. A block of ice. It's ice. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Okay. Mais déjà de l'eau. Hop. Ice before begin. Ice. Home, look. Temperature is reduced. Alors ici. Ah, j'étais presque, hein, donc ça va pas être très loin. Ice before the ice so. Oh, look. Ice, ice. Oui. Merde, mais j'étais. Putain, il faut vraiment le calculer, mais au. Genre, dès que le premier s'arrête, faut lancer le deuxième. Putain. Okay. Ice before big. Ok, allons-y. Ice. Pique à glace. Holmes, look.
on attend. Temperature is reducing. Waouh, on prend le sel, on attend, hop, un petit coup de sel. Ensuite, on prend la glace, on attend qu'il puisse descendre, hop, on y va. On prend le sel, on attend que la température soit stabilisée, on met le sel, on reprend le petit glace. On refait, tac tac, on remet une couche du sel. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Ah, bah voilà. An ice weapon. For ta-da. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Qu'est-ce que je disais? Et je pense que le couteau, donc arme en argent. Dedans et lui. Non. L'eau. C'est pas du tout ça. Et là. Voilà. Ça disparaît là dans le seau. À glace contenant le champagne, le couteau a été fondu, voilà. Je pense plutôt que c'est dans ce sens-là, on va voir. Trouver l'entrée du temple, mais... Il y a pas mal de trucs... Bon, moi je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on reprenne ça... Ouais, on va aller quand même sur le but du truc, le Saint-Albin. C'est le dernier truc qui reste, donc... Il ne me reste plus qu'une autre volée, donc ouais, bah, je pense que le couteau était de glace. En fait, il y a tellement de possibilités, le couteau, mais je pense qu'il était de glace, c'est pour d'où la flaque d'eau dans le sang. Après qui l'a tué, ça doit être l'autre qui sait faire du... qui sait faire aussi la même procédé. Ah, déjà, c'est quelqu'un qui était dans le truc d'archéologie, donc nécessairement... Il doit savoir comment faire, il devait avoir accès au cube. Pom 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 pom. La fresque. Il doit me manquer quelque chose, je sais pas quoi. Je sais qu'il doit y avoir un truc qui doit me manquer. Ce qui me manque, c'est le corps. Je pense que ce passage là il sera nécessaire à prendre. Il y
Merde. Je suis coincé derrière les rails. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Moi, j'ai une avance, j'ai une idée, peut-être elle envoie du feu. There might be something behind these leaves. I'll have to find a way of getting. Bah voilà! Oh putain! Ça prend du temps, hein! Eh, mais c'est pas évident, j'ai fait le tour 3 fois, c'est pas non plus le truc sorti de l'ordinaire. Non, c'est pas le chemin qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en dessous. Allez, c'est parti! Alors, il me faut un. Ça, ça va. I should use the appropriate object. Non, je pense que c'est l'arc qu'il faut le mettre. Il faut le mettre. Sillon. Logement de mécanisme, jointure de poignée. Logement du mécanisme, jointure de poignée, voilà. Moi j'aurais mis au bout, mais ça n'a pas l'air ça. Ça c'est quoi? Ça mécanisme, donc c'est la tour du centre. Ça le crochet. Aussi long. Ensuite, on a besoin de ça quelque part, non? Ah. Bon, je vous propose qu'on termine ça après déjeuner. On va sauvegarder. Ou sinon on va traverser le pont et on va sauvegarder juste après. Ah. Oula. Oh.
Ah. Bon, j'ai dit, je préconise qu'on fasse ça après. Comment est-ce qu'on prend les... Non, le... Allez, c'est juste en face. Hein. Voilà, bon. Allez, bon, on va sauvegarder ici, on reprend tout à l'heure. J'attends juste qu'il ça fasse allez sa petite sauvegarde s'il y a une nation bon on va la laisser mais allez un peu de nerf Are we inside the hidden temple? donc on reprend ça tout à l'heure à tout de suite bon appétit à tous en tout cas.